Non, tout le monde est... Tout le monde est sur le pont. À Paris, on savait que ça allait être difficile déjà. Et au bout de 10 minutes, c'était très compliqué. Et au bout de 17, c'était encore beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas eu match. Tu l'as dit, c'était une semaine de merde. Est-ce que tu as senti les joueurs qui se sont rares? Vite remobilisé pour attaquer cette semaine qui est importante avec deux matchs à domicile où ce début de semaine a été un peu compliqué mentalement, où tu les as sentis vite basculer de nouveau sur Metz. Non, il faut qu'on rebascule, c'est tout. Et on s'est dit après le match à Paris dans le vestiaire, voilà, le but c'est de repartir de l'avant, de rester positif pour repartir de l'avant parce qu'on a deux matchs à domicile consécutivement et à nous de chercher à faire le carton plein pour rester dans les hautes sphères. Ouais, on a vraiment l'impression que c'est le moment charnière de la saison, que c'est le moment de vous installer. Jusqu'à présent, vous n'avez jamais été en haut du classement. Là, on a l'impression que c'est le moment de s'installer vraiment. Ouais, si on veut, je l'ai répété avant la reprise de la phase de retour. Hein. Il faut être capable de faire des séries pour rester dans le haut du classement, sinon on va dégringoler. C'est tellement serré que là il y a beaucoup de confrontations directes sur les journées qui arrivent. À nous de faire le job pour rester dans le bon panier. Oui. Ben oui, bien sûr. Ben j'ai dit ce que j'avais à dire aux joueurs, ça reste entre nous. Ce match face à Metz, c'est un match qui va être important, mais c'est une équipe qui est quand même très en forme. Donc c'est un match qui va être comme l'était Dijon avant de venir chez nous. Voilà, c'est une équipe qui est. C'est une dynamique positive qui reste sur les 4 derniers matchs à championnat. Il reste sur un nul et 3 victoires. Voilà, ils ont perdu qu'un match en janvier, c'est en Coupe de France à Rouen, contre une National 2 comme nous. Voilà, c'est une équipe qui est en forme, qui vient d'en mettre 3 à Saint-Étienne ce week-end. Voilà, ils ont des arguments athlétique, ça défend bien, ça contre vite. Voilà, ils ont de la vitesse devant, ils ont des bons joueurs de tête sur le coup de pied arrêté. Il y a beaucoup de taille. À nous d'être performants dans ces domaines-là, et de faire notre match. À nous d'être performants, de retrouver de l'allant, de la générosité, de l'efficacité pour les faire chuter. C'est un peu comme Dijon, une équipe qui est en forme sur ce début d'année 2020. Vous avez trouvé la solution contre Dijon, ça veut dire que vous avez la clé, être patient également. Mais il va falloir être patient parce que c'est une équipe qui défend bas, qui défend bien, qui est compacte et qui explose vite. À nous d'être très vigilants sur leur transition offensive il va falloir qu'on mette de la vitesse, qu'on soit patient, qu'on soit juste aussi. Dans notre jeu pour les déstabiliser. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que le milieu de terrain trouve. Je te posais la question, mais ils n'avaient pas trop l'habitude de jouer ensemble, Ferry et Savanier, trouvent une forme d'assise. Ils ont joué un an ensemble à Nîmes.
Oui, non, mais cette saison, c'est quasiment la première fois qu'ils ont débuté ensemble à Paris. Voilà. Ils ont joué ensemble à Dijon, ils ont joué ensemble. Oui, mais c'est, ce sont Ben, les. ils jouent ensemble, mais ils se connaissent et ils s'entraînent tous les jours ensemble. On attend qui confirme leur niveau qui augmente petit à petit, et qui voilà, ils progressent physiquement, ils progressent techniquement. À eux de mettre beaucoup plus de justesse dans leur jeu, faire les meilleurs choix. Là, tu es plutôt satisfait de ce qu'ils t'ont montré. Je suis content de ce qu'ils font, oui, je suis content de l'attitude qu'ils mettent dans les matchs et de ce qu'ils produisent. Et je sais qu'ils sont capables de faire encore mieux. C'est pour ça qu'on est encore plus exigeant avec eux. Tu parlais des confrontations qu'il va y avoir dans les semaines qui viennent. On a l'impression que ce mois de février, que vous n'avez pas forcément très bien négocié l'année dernière, peut être très important pour justement valider les ambitions. Tu sens que cette C'est une équipe-là, semaine très importante pour nous. Il faut qu'on arrive à concrétiser ces deux matchs par deux victoires pour rebondir par rapport à la semaine qu'on a fait dernièrement. Bon.